Bienvenue sur All in Togo. Hi and welcome to All in Togo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour toujours être informé de nos nouvelles sorties vidéo sur le Togo. Click the subscribe button and activate the bell to always be the first to be notified of all new videos. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Dienan Dapap Komesme, étudiant camerounais à l'école africaine des métiers de l'architecture, de l'urbanisme et amont. Si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous présenter la deuxième phase d'un projet qui a déjà interpellé le grand public togolais. La première phase qui a été réalisée et connue de tous, c'est la phase qui a été faite en hommage au 60e de l'indépendance de la nation togolaise, au niveau de l'entrée nord du campus en face de la maison Togocel. Pour cette deuxième phase, nous avons voulu mettre la barre beaucoup plus haute. Pour commencer, je dirais d'abord que ce projet est réalisé par un cortège de 6 artistes venus tous de l'école africaine des métiers de l'urbanisme et amour et de divers horizons, notamment du Togo, du Cameroun, du Burkina Faso et du Congo. Ce projet, dans cette seconde phase, la continuité au niveau de l'entrée nord a été faite pour mettre en avant les différents peuples du Togo. Ce peuple qui constitue la nation togolaise, tout le titre de cette œuvre qui est « Nous sommes le Togo ».
Ensuite, en filigrane de cette œuvre, nous avons mis en avant le triomphe matérialisé par la symbiose des trois pouvoirs qui lutte au quotidien pour cette inclusion d'émergence. Dans la deuxième partie, qui est sur l'entrée est, là sont réalisées des fresques en hommage aux différents partenaires qui accompagnent ce projet dans son idéologie, mais aussi financièrement. Pour ce qui est du projet, nous avons travaillé sur des styles, sur un style assez nouveau, mais surtout contemporain, basé sur une stylisation de formes primaires, notamment le cercle, le triangle, le carré et le rectangle. Donc, ces différentes formes que nous composons et que nous obtenons sur la base de cette composition des formes anthropomorphiques, mais aussi des formes qui sont extraites de la stylisation des masques qui représentent la culture africaine. Pour ce qui est des matériaux, nous avons fait un choix de matériaux adaptés au contexte climatique du Togo et particulièrement de la région de la côte du Golfe. Ce projet, aujourd'hui, fait l'objet de l'interpellation de tous. Aussi grand que puisse être ce projet, il ne s'est pas réalisé sans difficulté. Il faut dire que la difficulté majeure que nous avons rencontrée pour la concrétisation de ce projet, ce fut la rigueur du climat local. Sinon, pour ce qui est du reste, la cohésion et le soutien que nous avons a triomphé au-dessus de cette petite difficulté qui venait à côté de la rigueur du climat. Et c'est pour ça que nous profitons de l'occasion pour remercier la commune du Golfe 3 et son maire, M. Kamal Alaou Adjaï, visionnaire de ce projet, ainsi que l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés pour la concrétisation de ce projet. Nous vous remercions. Souhaitons donc la bienvenue à cette inauguration des fresques murales. Tout passe, tout lasse. Les nations et les individus qui la composent. Autant en emporte le vent, il ne reste que la beauté transmise par les artistes. Disait Ernest Hemingway. La beauté, toujours réussir, déformer, reste une valeur cardinale. Passer sous silence le travail fait avec brio par nos jeunes étudiants de l'ERO de l'Université de Lyon. Ils nous rappellent que l'Afrique, le Togo, d'aujourd'hui et de demain, a toute sa place dans l'univers mondial de l'art. Quelles sont les valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants? Quels sont les engagements? Quel est vraiment notre engagement en faveur de la jeunesse et de la culture togolaise? Et si à travers ces fresques, nous leur montrons qu'il ne faut pas oublier nos cultures. Il faut vraiment qu'on s'ancre dans notre culture et notre identité et le prendre comme socle pour avancer et vraiment construire notre confiance en soi pour avancer. Ce sont les hommes qui font l'histoire. Faisons l'histoire de notre temps et celle de la prospérité. Ensemble en équipe et évidemment en essayant de partager avec les autres les valeurs qui sont chères à nous, qui sont le travail, l'amour pour la patrie
mais aussi nous civils. Alors je voudrais inviter tout un chacun à respecter ses histoires. Magnifique. Et comment respecter cela? En faisant d'abord en sorte que chaque, les lieux soient toujours préservés, que ça ne soit pas vandalisé, que nous puissions contribuer à le rendre toujours beau, à rendre toujours beau, pour que quand quelqu'un vient visiter la maison, il soit tout simplement fier de le voir. En tout cas, bravo, bravo, et nous sommes tout simplement fiers de ce que vous faites ici. Et j'espère que nous aurons d'autres œuvres qui pourront être accompagné par les partenaires, parce que ça, vraiment, ça montre à leur visibilité, ça montre un peu que ces partenaires-là participent dans leur responsabilité sociale à l'éducation de notre pays. C'est un appel que j'aimerais lancer ici. Et je vous invite donc tous et toutes à venir visiter les fresques et vous immortaliser en famille. Nous sommes le tour. À tous, infiniment merci. Et bienvenue à la commune du Côte-Trois.
droite. Ouais, les cigarettes qui sont à votre droite. Vous voyez ça? Les cigarettes qu'on vient d'installer à Lomé. Si vous venez à Lomé, que vous passez vers l'université de Lomé, n'oubliez pas de faire un saut ici. Et les cigarettes au niveau de l'université de Lomé. Voilà. Vous voyez. Donc vous voyez, le lien en train de changer l'image. Des fresques sur les murs de l'université. Vous voyez ça? C'est les fresques qui décorent, les fresques artistiques hein, décorées à l'université qui changent l'image, qui donnent une beauté à la ville. Parce que vous voyez, c'est le fait de l'université de l'Université ça. Ici, c'est l'ancienne direction de Togocel qui est devenue Togocom. Vous voyez? Et juste à côté, nous avons l'autosport, la direction générale de la loterie nationale.
Vous voyez ça? Très belle. Et ça rend l'université très jolie. Vous voyez? Oh non, c'est très beau. De belles fesses qui participent, faites par nos artistes. Vous voyez? C'est un site artistique. Vous voyez ça? C'est tout beau notre pays. Thank you for watching. Check our YouTube channel for all current or future videos, all in Togo. And click the subscribe button and activate the bell to always be the first to be notified of all new videos. Merci d'avoir regardé. Veuillez consulter notre chaîne YouTube pour toutes nos vidéos actuelles ou futures sur le Togo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour toujours être informé de nos nouvelles sorties vidéo sur le Togo.